Donc, je m'appelle Christian Vérague et au sein du groupe BPCE, je suis en charge des opérations RH du groupe, sous-entendu les déploiements du SIRH groupe et les projets transverses et l'animation des filières. Alors, le projet que nous avons lancé est lié au prélèvement à la source. Donc, l'origine est un questionnement de toutes les entreprises du groupe BPCE qui se sont interrogées sur la manière de répondre aux questions des salariés dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source. Alors, pour nous, le chatbot est paru être la meilleure solution parce que le chatbot aura une capacité à répondre à de nombreuses sollicitations de nos salariés et le chatbot répétera toujours les mêmes réponses à toutes les questions, sachant que pour le prélèvement à la source, on ne veut prendre aucun risque sur la qualité des réponses et les interprétations qui pourraient être faites. Alors, nous avons choisi Inbenta d'abord parce qu'on a déjà fait une maquette avec Inbenta. Une de nos filiales utilise la solution pour un chatbot RH. Et puis, la méthode sémantique utilisée par Inbenta nous a semblé vraiment la bonne méthode pour notre projet. Le groupe BPCE a souhaité faire un projet de co-développement, donc avec Inbenta qui amenait la solution technique du chatbot et le cabinet Heming qui a amené la base de connaissances liée au prélèvement à source. Et BPCE a été le chef d'orchestre pour mettre en place ce projet. Alors aujourd'hui, on a un projet qui est très dynamique. Donc on a fait le choix de le mener pendant l'été. Bon, c'est jamais une période facile. Pour autant, les équipes se sont rendues disponibles. On fait des points réguliers, on utilise des outils collaboratifs pour partager l'avancement du projet. Et en quelques semaines, on arrive à mettre en production un chatbot. Et dans une entreprise comme le groupe BPCE, c'est un beau challenge. Alors nous, en production, donc la semaine prochaine, là, c'est imminent. Je fais une annonce à toutes les entreprises du groupe dès la fin de la semaine. Les attentes, c'est très vite voir comment le bot réagit, très vite être dans le back-office pour voir la capacité qu'il a à répondre, ce qu'on n'a pas vu. Parce que je pense qu'on va avoir des surprises, parce que nos salariés vont probablement poser des questions ou interagir d'une manière inattendue avec le chatbot. Ça, je suis assez impatient de le voir. Donc, on attend de l'accompagnement d'Inbenta pour nous aider à améliorer notre chatbot et à l'amener à un niveau de réponse supérieur. Parce que pour le groupe BPCE, en tout cas pour le SIRH du groupe, c'est un enjeu important, puisque c'est vraiment le premier chatbot qu'on met en place sur l'intégralité du groupe. C'est plus de 100 000 salariés, donc c'est quand même une production assez importante. Et si ce projet réussit bien, je pense qu'on ouvre la porte sur une nouvelle génération de solutions bot, en tout cas dans le groupe BPCE. Bon, si je devais faire une conclusion, c'est un projet de chatbot, ça peut faire peur, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Enfin, pour moi, c'est un beau projet humain.